Restons sur le littoral méditerranéen. À la découverte de la faune et de la flore, l'association marseillaise Planète Mer vient de lancer une campagne d'observation citoyenne. Elle encourage tous les promeneurs à photographier les espèces qu'ils rencontrent et les clichés serviront à faire un inventaire. Louis Aubert, Xavier Schuffenecker. Il y a comme un air de vacances ici à la plage du Bain des Dames. Cependant, Julia, Guillaume et Marine ne sont pas venus avec une serviette de bain, mais avec un appareil photo, comme des détectives à la recherche du moindre indice. Coquillages, petites algues ou méduses, tout les intéresse, même des choses a priori insignifiantes. L'idée, faire un inventaire le plus complet possible de la faune et de la flore du littoral en flânant. C'est une promenade qu'on peut partager en famille quand on s'intéresse à la nature, qu'on est amoureux de la mer et qu'on a envie d'aider à mieux connaître et à mieux protéger la biodiversité du littoral. Sur cet écran d'ordinateur, les clichés de tous les contributeurs à cette campagne nationale. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire sur biolith.fr et de publier ses photographies comme sur n'importe quel réseau social. Il n'y a pas d'avancée possible en matière d'environnement sans l'adhésion des personnes. Ça n'est pas possible. Donc plus on prend le problème en amont et plus on fait participer les gens à la réflexion, à l'observation, à la participation, et plus on a des chances effectivement que des mesures de masse seront acceptées et votées par des politiques. Tous ces clichés vont constituer un inventaire qui permettra aux scientifiques partenaires, comme ceux du Muséum d'Histoire Naturelle, de dresser un état de santé du littoral français. C'est aussi un outil pour associer les amoureux de la mer au sein d'un réseau de surveillance et d'alerte éco-citoyens.